Nous nous mettons debout, on va nous lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 22, verset 25. 22-25. Lorsqu'on l'eut exposé au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre des verges un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Oh,
Le fouet ne fouette que le fou. Acclamons très fort pour les rois de Dieu. Pourquoi le fouet ne fouette que le fou? L'homme normal n'a jamais été créé pour être fouetté. Moto ozali na molongo yake la mate pona kobeta mafimbo. Se faire fouetter, c'est un signe d'humiliation. Kobeta mafimbo eza elembo ko kisamasoni. C'est ainsi que lorsque vous lisez le livre de Deutéronome, ndebo etango botangi buku na Deutéronome, le Seigneur avait même limité le nombre de fouets qu'on devait administrer les fautifs. Kolo ya suki saka ata motu ya na fimbo singela ki kobeta motu asala ki libunga. Donc je disais que il y avait un nombre de fouets limité. Dans le biete zalaki na motu ya ba fimbo ba bongisa ki.
vous devez administrer aux fautifs. Donc le livre de Deutéronome dit que vous ne pouvez pas fouetter quelqu'un au-delà de 40 fois. C'est-à-dire que la folie à laquelle nous faisons allusion ici, ce n'est pas la folie mentale. Nous sommes en train de parler des choses spirituelles. C'est ainsi que vous allez voir qu'à l'époque où Dieu était uniquement pour les Juifs, nous on était considérés comme étant des nations barbares. Et c'est de là que viennent tous les problèmes que Paul a connus dans son ministère. Paul n'avait pas pris les biens d'autrui. Paul n'avait pas pris la femme d'autrui. Mais Paul voudrait tout simplement faire comprendre aux Juifs que Jésus-Christ était la vérité, la voie et le chemin. C'est très difficile de changer des habitudes. Et tout le monde était contre lui. Parce qu'il a porté un nouveau message. C'est ainsi que vous allez constater que même dans ce monde, les réformes ont toujours été mal accueillies, avec beaucoup de résistance. Mais qu'à cela ne tienne, nous demandons aussi à ceux qui initient des réformes d'en assurer qu'il ne s'agit pas tout simplement d'une modification robotique des textes, mais qu'il s'agit vraiment des réformes structurelles qui peuvent faire avancer les choses. Alors, maintenant, le problème c'est de savoir qui est fou et qui ne l'est pas. Tous les fous ne sont pas désordonnés. Il y a des fous calmes. Pour les reconnaître, il faut arriver à dénicher leur vraie identité. Et c'est ainsi que chaque fois qu'on trouvait toute personne qui avait de l'inté, il passait par le fou. Et même quand vous lisez 2 Corinthiens, vous allez voir que l'apôtre Paul lui-même, il a été également fouetté 4 fois. C'est là où il dit que 5 fois j'ai reçu des Juifs les 40 coups moins 1. Donc cette expression-là met en exergue la grande intelligence de l'apôtre Paul. Il ne parlait pas comme tout le monde. Donc quand il parlait de 40 fouets moins 1, c'était en syntonie avec les livres du Deutéronome qui limitaient le nombre de fouets qu'on devait recevoir. Oh, bien aimé, avant de continuer, je voulais te dire que tu as déjà reçu tes 40 fouets. À partir d'aujourd'hui, plus de fouets pour toi. Bien aimé, le chiffre 40, c'est un chiffre qui démontre l'endurance. Les Juifs se promenaient dans le désert pendant 40 ans. Ils étaient aguerris pour toutes sortes de guerres. C'est cela qui les a permis d'être toujours triomphants. Ma soeur, mon frère, quand tu vas endurer dans les jeûnes, dans la prière, aucun sorcier ne te fouettera. Amen. Aujourd'hui, pourquoi les gens ont des problèmes spirituels? Niveau de prière faible. Regardez
Lorsque Moïse est en train de prier, Tango Mose azalai kobondela, chaque fois que ses mains étaient levées, Tango nyonso maboko nezaki akotoka, la victoire était dans son camp. Et longue ezalaki na ngambo na ye. Mais quand il baissait les bras, kasi tango maboko ezalai kolemba, la victoire et longa était dans le camp de l'adversaire. Et zalaki kokenda na ngambo bango. Ma sœur, mon frère, de komwa si mobali, je voulais te dire que si tu es endurant dans la prière, ceux qui ozali moto na mpiko, endurant dans les gènes, ozali moto azana makasi, tu ne vas plus courir derrière les gens. Yoko kima lisuna sima, les gens vont courir derrière toi. Tonde bako kima na sima, laisse avant que les hommes et les femmes courent derrière toi. Que cette verset qui dit que moi je vais ordonner à la bénédiction de tes suivre, tel que je suis en train de parler maintenant, que la bénédiction poursuive toute personne qui est venue m'écouter aujourd'hui. Amen. Que les millions te suivent et t'atteignent. Bah, million et que les milliards te suivent et t'atteignent. Bah, amen. Alléluia. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui ramène tout ça? L'endurance. Vous voyez, même dans l'armée, ce n'est pas tout le monde qui peut faire partie des commandos. Ce sont des formations à haut risque. Ce sont des gens qui ont déjà subi toutes sortes des difficultés. Lorsqu'on forme les marines américains, il y a des moments où on les trempe dans l'asphalte. Pas l'asphalte tel qu'il est là sur la chaussée, mais quand il est dans son état liquide. On te met là-bas pendant 3-4 jours. Tu ne manges pas. Quand tu poses la question, on va te dire qu'un marine, c'est quelqu'un qui peut faire une semaine sans manger et il est toujours bien. C'est pourquoi ces gens-là, s'ils veulent te tuer avec ses mains, ça ne va pas lui prendre 2 minutes. Ils ont été préparés. Regardez les karatéka. Dans les karaté, il y a des ceintures. Vous ne pouvez pas avoir la ceinture noire. Septième dan. Ça, c'est une terre bâtie. Et on est aussi bâti dans la vie. Plus on te bat, plus le corps s'habitue. Lorsque vous êtes à New York, lorsque vous avancez vers le Brooklyn, là où on diffuse les quartiers ici, quand vous rencontrez ces quartiers-là, c'est comme des animaux. Quand ils font leurs entraînements, c'est pire que ce que nous voyons à la télé. On les jette, ils tombent. Mais ils vous disent que ça ne commence pas à l'âge de 50 ans. Ils sont dans cette vie-là depuis 10 ans. Ma soeur, mon frère, si tu veux te battre contre le diable et le vaincre, tu dois avoir déjà reçu les 40 fouets, c'est-à-dire tu as connu toutes les attaques du monde, des sorciers, des magiciens, des jaloux, des filles, et que tu as vaincu. Laisse que tout celui qui a été fouetté pendant le plus longtemps, aujourd'hui, que le fouet s'arrête. On nous lit Proverbe 26:3. Parce que les gens, ils se disent, mais comment Paul lui-même a aussi été fouetté, est-ce qu'il était aussi fou? Quand tu n'es pas fou, on vient t'arrêter. Dis à ces gens-là que je ne suis pas fou. La saleté, c'est parce que je n'ai pas du savon. Alléluia. S'il ne te croit pas, il dit que je veux conjuguer pour vous le verbe être à l'imparfait. Ils vont te libérer. Mais si tu ne déclines pas ton identité, ils vont t'amener là, on amène le faux. Donc, le malheur de Paul, il n'avait pas décliné sa vraie identité.
L'identité d'un chrétien se manifeste dans la sanctification. Le jour où tu es dans la sanctification, personne ne te fouettera. Pourquoi on avait frappé Paul? Il ne parlait pas. Je ne vous demande pas de dire aux démons que je suis chrétien. Laisse que tes œuvres parlent. Laisse que ta conduite plaît dans ta faveur. À ce moment-là, même si les sorciers avaient déjà allumé le feu, le feu va s'éteindre. Laisse que tout feu allumé dans ta maison s'éteigne maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Proverbes chapitre 26, verset 3. Le fouet est pour le cheval, les morts pour l'âne, et la verge pour le dos des insensés. Acclamons très fort pour le roi. Donc c'est Pierre, c'est Paul qui avait laissé passer la confusion. Partout où tu passes, cherche à faire connaître travers l'identité. Alléluia. Je te donne un conseil. Ne prie pas dans ta vie pour que les gens t'acceptent. Alléluia. Amen. Moi, votre père, je ne cherche à convaincre personne. Moi, je ne cherche à convaincre que Dieu est ma conscience. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Tu es en train de perdre ton temps inutilement. Même Jésus, tout le monde n'a pas cru en lui. Pourquoi tu te donnes tant de soucis et la zone du mangate? Soit que je vais te dire, alléluia. Amen. Jésus a couffa. Les seuls du Dieu de nous en raison. Ne te donne pas de soucis pour rien. Le vrai juge, c'est Dieu. Et ça l'insam. Quand les gens voient une fille ou une femme propre, on dit Gandumba. Azali Nabopet, on dit que c'est une pute. Non. Non. Quand tu étais à Bouende, tu as 45 km. Ta demeure. Il y avait une distance de 40 km. C'est pourquoi quand tu te lavais une seule fois, tu restais comme ça toute la journée. Ici, c'est Kinshasa. Le village du pasteur Godempo. Le village du pasteur Godempo. Ici, les femmes se lavent 9 fois par jour. Et Sengo. Vous voyez? Est-ce que Italio? Sur la prédication, j'avais oublié de vous signaler que je venais parce de que vous allez caca. Parce que vous, notre jeune fille de l'Europe, cette fois-ci, moi je viens de Kamba. Il y a un autre qui dit comment il est parti s'agenouiller devant Papa Simon. Est-ce que mes genoux t'appartiennent? Il n'avait pas demandé. Ça, c'est mon éducation. Entre moi et Joël, qui s'est agenouillé devant sa fiancée, qui a mal agi. Il est là. Avec le mot. Mais on est. Moi, je dépasse quand même Joël. Bien-aimé dans le Seigneur. Je voulais vous dire ceci. Tant que vous ne déclinez pas votre vraie identité, on vous fouettera par confusion. Par confusion. Paul, après
après avoir subi tous ces fouets, il va se ressaisir. Ma soeur, mon frère, ressaisis-toi. Tes enfants ne doivent plus être fouettés par le diable. Amen. Ressaisis-toi. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, notre maître, les jours où il entrait dans le temple, il renversa les choses, les fouets qui étaient dans les mains des hommes pour tomber dans les mains de Dieu. Laisse qu'avant que je ne continue, que Dieu mette dans tes mains un fouet, que le fouet te permette de flageller les maladies, la mort, les problèmes. Acclamons très fort. Tel que moi j'ai compris ce verset, c'est que ces jours-là, Paul ne pouvait plus supporter le fouet. Il en avait déjà reçu assez. Ces jours-là, il a dit que je veux réclamer mes droits. Le diable t'a tellement malmené. Aujourd'hui, tu dois réclamer tes droits. Tu as droit à la vie. Tu as droit au bonheur. Tu as droit au pouvoir. Tu as droit à la voix. Tu as droit au mariage. Tu as droit à l'élévation. Aujourd'hui, je te retourne tous tes droits. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme on savait que quand on le frappait, il ne disait rien, il ne faisait que pleurer. Ces jours-là, on l'a frappé même avant la condamnation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Seigneur. Comment tu es déjà dans le Seigneur? On te condamne, on te frappe. Aujourd'hui, je fais tomber toutes les condamnations au nom du Seigneur Jésus. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Tellement qu'il était habitué à se laisser faire. Ces jours-là, on voulait le fouetter même avant la condamnation. Qu'est-ce qui s'était passé? Il était en mission d'évangélisation. Et dans cette mission, il allait de ville en ville. Et il va arriver à Jérusalem. Et pourtant, les prophètes lui avaient interdit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu parle, il faut se soumettre. Même cela ne rentre pas dans ta volonté. Seulement rassure-toi que c'est Dieu qui a parlé. Parce qu'il y a aussi beaucoup d'aventures maintenant. C'est pourquoi je demande aux gens. Nous, dans notre église ici, nous avons de vrais prophètes. Ne cherchez jamais à venir raconter vos vies aux prophètes. Nous n'avons pas besoin de ça. Notre Dieu, il connaît tout. Et s'il veut parler, il va parler. Lorsque tu viens voir un prophète, il dit, j'ai mal au ventre ici. Passe le plaisir à ta joie. Vous savez qu'il y a un prophète. Il pense que s'il n'a rien vu, il mourra. Directement, le prophète dit miom, 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 miom. Et après, et à la fin, il te dit ceci, laisse-moi toucher pour savoir si le miom. Moulis-moi Isaac Bima. Moulis-moi Isaac Bima. Laisse les filles de toucher. Ah! Simba, Simba. L'esprit de toucher. Les lois qu'il reçoit, c'est le mot où tu passes. Tellement qu'à Simbi. Tellement qu'il a beaucoup touché. Maintenant, il s'arrête. Il a souvent des litiges là. Ici. Donc, vous voyez ce monsieur? Bomoni. Quand tu touches, comment tu vas sentir les miens? Bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu. Zambé Nabiso. Parle. Yalobaka.
notre Dieu agit. Et aujourd'hui, il va agir dans le Amen. Bien-aimé, il avait été interdit à Paul de se rendre à Jérusalem. À Jérusalem. Tu vas entrer dans ta souffrance qu'on n'avait pas préparé pour toi. On ne discute pas avec Dieu. Quand Dieu a parlé, si c'est le vrai Dieu, il faut écouter. Les vraies prophéties sont spontanées. Alléluia. Amen. Ce n'est pas tu crois JC qui vient de construire ses maisons. Mais ça serait un grand serviteur de Dieu. Amen. Va de l'avant. Sois un grand homme. Amen. Bien-aimé. Balingami. Même quand il y a des problèmes, comment? Les problèmes, on n'en parle qu'avec le pasteur, si il a vraiment le cœur pastoral. Le pasteur qui a le cœur pastoral, on ne le découvre pas dans des gesticulations. Quand il prêche, il est en train de bouger sa main. Ah, merci mon frère. Chef. Bien-aimé! Balingami. Je dois vous dire que depuis que je suis né, je n'ai jamais été accueilli comme en Kamba. On m'a donné une parcelle là-bas. Alléluia. Amen. Vous me négligez comme ça. Directement parmi vous là qui peut accepter de recevoir 15 personnes, les loger, les nourrir gratuitement. Afandi Sibango, allez Sibango, y'a Ophélé. Koliango, y'a toutes les 2 heures. N'abusez pas parce que mon ami papa n'a pas souffert. La nourriture c'était après chaque 2 heures. Et j'ai dit que c'était pour que j'en avais assez. C'est quoi maintenant que nous avons les gens avec qui nous étions ensemble. Mon lien est allé. Tellement qu'il y avait des soucis. Ils ne veulent pas que nous puissions rentrer. Papa, n'attends pas. Le matin, j'allais rentrer seul. Ils oubliaient que la nourriture, on l'a donnée parce que moi j'étais là. Pardon, qu'on reste encore un peu, papa. Que papa Simon Kimba. Que Dieu bénisse papa Simon Kimba. C'est toi qui prie Dieu avec le vol. Je ne vois pas église dans l'église de Jésus-Christ par son envoyé. On acclame très fort pour le Seigneur. Quand on continue à quitter l'église, dans l'église, je pensais qu'il pouvait nous amener des brochures. Matthieu 26. J'ai vu Matthieu 26. Quand on voit Matthieu Bazolo Baoyo. Moi, je me pose la question, le Matthieu. Il y a image ou bien il y a Bible. Matthieu, il y a Kingamo. On a prié normal. Ton bon délit n'a pas longo nyonso. Et le prédicateur dit ceci. Motei parle bien. Motei alingi ko kabola Kimbangu na Jésus. Celui qui veut. Il n'est pas Kimbangiste. Dissocier Kimbangu de Jésus, il n'est pas Kimbangiste. Simon Kimbangu était protestant comme Simon toi et moi. Kimbangu azala kimoto missionne. Talaza ko seka. Mais vraiment bande ko na ozonga le susu. Il faut que je rentre encore là-bas. On m'a donné une parcelle là-bas. On m'a logé. Ce que vous n'avez jamais fait pour c'est moi. Que après, on m'a jamais. Jamais. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois en
annoncer tes couleurs. Et c'est que l'hôtel est sans langue. Moi, non, un enfant de Dieu annonce à ma couleur. Doit annoncer ses couleurs. Toi, tu es un enfant de Dieu. Moi, non, moi, si. Chef Nabina Lobi, l'excellent Moutolou. Mais il y a besoin de chef Moutolou, il y a besoin de Moutolou. Il y a besoin de Moutolou, il n'a pas besoin de la terre. Le nombril, tu le demandes, je n'ai pas besoin que tu voyes ça. Oui, il y a Moutolou, il m'a bien quota. Mais ma gamme, toi, il m'a fait. Ici nous sommes venus pour le problème de Dieu. Chef, il y a un gars qui est content. Il y a un gars. Amen. Tu vois ton chef là. Amoni Mtolu. Il a vu ton nombril. Un autre jour. Donc, il faut annoncer des couleurs. Quand le chef dit ça, tant qu'on me conduit à l'obiboué, il dit que c'est la balasouka. Au talisie, la dernière fois, prochainement, tu sors, tu claques la porte. Prochainement, il ne va pas faire encore cela. Mais au cours du chef, le metteur, chef, 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 tu regardes le guan, hein? Au moins, net au sol et le côté. C'est comme si. Ça, rien. C'est le Tchibao. Tu n'as rien fait. Ici, c'est le Tchibao. Quand on touche. On a touché les Mounagana ici, on la a frontière. Le Mounaga. Wando congolaise. Mais mon Kolobaba, FRDC. C'est le jour. Fobakita. Le FRDC est censé descendre. Je connais une femme. Naibi Mwasi Songolo. Elle travaillait, je crois, à l'OGFREM. Elle est entrée dans le bureau de son chef. À côté, Nabiloa Mokonzi. Ils sont en train de parler. Bazali Kobeta Lisolo. Chef Asimbiao. Le chef l'a touché au menton ici. Chef Angope a mis la cigarette. Le chef, il prend la cigarette. Maman Nathalie Sandrié na. Na mesa. La maman a vu le cendrier sur la table. Elle a pris le cendrier, elle a frappé sur le visage de son chef. On a vu le chef crier directement et elle est ressortie. Elle m'a agressé. Posez-lui la question. Dans la société depuis 20 ans. Moi, je suis dans cette société depuis 20 ans. Est-ce que j'ai déjà lancé quelque chose un jour? Comment il peut me toucher? Est-ce que je suis un ami? Il est mon chef, mais je suis un ami. Je suis une femme d'autrui. Chef Wana, Zé la mère est silencieux. Le chef, le Zé la mère, l'a quitté ce jour-là. C'est comme on dit, l'accent est genou. Hein, chef Yangoy? Montre-moi le genou. Tu vois comment tu es en train de monter la jupe. Acclamons très fort pour le jusqu'au il sujet. Faut annoncer des couleurs. Ne cherche pas à convaincre les gens. Alléluia. Amen. Ne cherche pas à convaincre les gens. Convainc Dieu. C'est tout. C'est amen. Les restes là, ce sont des détails. Oui, tikali, yangwezali makam. Ce sont des détails. Ya, motu ya pinzate. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Nali kotel semno bwebalinga. Ne faut pas laisser le diable. Et c'est quelle vous confondre avec les autres. À côté, son ambulunga na na c'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit. Les princes de ce monde arrivent. Alobiko. Mais il n'y a rien de mieux. Kasi loko na ata mokote zana kati nangai. C'est pourquoi on a dit diable a invité Jésus partout. C'est pourquoi vous avez vu le diable. Il savait qu'il n'y avait rien de lui. Ces jours-là, on voulait fouetter Paul. Il était déjà ligoté. Amen, amen, Père. Amen, amen. Mais Paul va dire que non, 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 mais non. Paul a colobaté. J'ai été déjà battu à 5 reprises. Ça ne doit pas continuer. Il dit à celui qui voulait le fouetter. Vous voulez me fouetter? Vous ne savez pas que moi je suis un citoyen romain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc à ce moment-là. Nangongango. Israël était dominé par les Romains. On pouvait toucher tout le monde. Sauf les Romains. La Bible dit quand le fouetteur a pris ça, il va informer son commandant que l'homme que Dieu a arrêté, c'est un Romain. Le commandant apprend ça. Il vient. Il pose la question à Paul. Est-ce que tu es romain?
Paul va lui dire ceci. Je suis romain de naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le commandant va dire ceci. Moi, pour avoir cette nationalité-là, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Mais toi, tu l'as de ta naissance. Bien aimé, avant que je ne continue, un enfant de Dieu qui s'est converti, il devient la nouvelle créature. Il cesse d'être citoyen du monde. Il obtient la nationalité céleste. C'est à ce moment-là que ça comprit le verset qui dit: ne touchez pas. Alléluia. Amen. L'onction dont on parle là, ce n'est pas seulement la puissance de la prédication. L'onction dont on parle, c'est la présence du Saint-Esprit dans l'homme. Celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit, le diable ne peut pas le fouetter. C'est pour cela que le jour où le Seigneur Jésus-Christ arriva à Genezareth, les démoniaques courir vers lui et s'est mis à genoux. Avant que je ne continue, laisse que tous les sorciers, tous les magiciens, tous les ennemis se mettent à genoux devant toi. Répétons ensemble nationalité. Nationalité. Répétons ensemble nationalité. Nationalité. Le problème avec les chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. C'est pourquoi quand ils dorment, ils se voient toujours en train de se battre. Et le combat se termine toujours par sa défaite. Mais celui qui est rempli de la puissance, malgré le combat, il finit par vaincre. Est-ce qu'aujourd'hui, comme tu as retrouvé ta vraie nationalité, que le fouet s'arrête une fois pour toutes dans ta vie, que personne ne fouette tes enfants, que personne ne fouette tes affaires, que personne ne fouette ta carrière, pousse plus que les champignons, va de l'avant. Amen. Donc la nationalité de Paul fait paniquer les commandants. Nationalité Paul Yango et Salieting. Il y a des personnes. Lorsque vous les amenez dans le monde des ténèbres, ils peuvent venir. Elles peuvent venir. Mais quand elles entrent dans ce monde-là, ça sera la panique totale. Un jour, on prit l'arche de l'Éternel. On l'amena dans le temple de Dagon. La nuit, on trouva Dagon à genoux devant l'arche. Ma soeur, mon frère, la parole qui se trouve en toi symbolise l'arche de l'Éternel. Laisse que tous tes ennemis puissent se mettre à genoux devant toi. Amen. Vous savez pourquoi les gens se mettent à genoux devant toi? C'est pour te permettre de voir très loin. Lorsque les péchés se mettent à genoux devant toi, ça te permet de comprendre qu'à l'église, je ne suis pas venu seulement chercher les voitures et les maisons, mais je suis venu chercher la vie éternelle. Aujourd'hui, les démons t'empêchent. Les démons, généralement, ils sont géants. C'est pourquoi, frère bien-aimé, Goliath était de grande taille. C'était en fait pour empêcher aux Juifs de voir la grandeur de Dieu. Laisse que tel que je parle maintenant, que tous les péchés qui étaient compliqués dans ta vie se mettent à genoux devant toi. Amen. Et que tu comprennes que nous avons une grande promesse. C'est de rencontrer Amen. Le Seigneur Jésus-Christ lors de l'avènement des temps. Quand on découvre que Paul était citoyen romain, Paul a continué. Paul a kobi. Il dit: moi, je suis né Nabotama en Tarse, Nabotama na Tarse, en Cilicie. Na Cilicie. Il pré-
précise, ville d'une grande importance. Lisez l'histoire. Vous allez voir que Tarse n'était pas n'importe quelle ville. Et l'apôtre Paul était un homme célèbre. Partout il passait, on l'appelait Paul de Tarse. Amen. Alléluia. Amen, amen. Avant que je ne continue, nous n'avons pas besoin de naître en Tarse. Nous avons besoin d'une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance-là fera de nous des enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui met les doigts dans la prunelle de l'enfant de Dieu, il est en train de s'attaquer à Dieu lui-même. Laisse que tel que je suis en train de parler, que Dieu entre dans ton combat. Oh là, oh là, oh là. Que Dieu entre dans ton combat. Ce n'est pas pour la première fois qu'il l'avait fait. Il avait trouvé un jour les temples minimisés. Par les vendeurs de pigeons, par des cambistes. Ce jour-là, l'enfant du roi, le Jésus-Christ, maître de Galilée, il prit un fouet. Il entrait dans le temple. Avant qu'il ne puisse entrer dans le temple, image de l'Éternel. Toi-même, celui que tu es là, tu es le temple de Dieu. Que le fouet commence par quoi? Il chasse la maladie, la pauvreté, le blocage, le freinage. Oh my God. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il est le même. Hier, aujourd'hui, et à jamais. C'est lui qui avait multiplié le pain. C'est celui que je vous prêche aujourd'hui. Il n'est pas un Dieu de division et de soustraction. Il est un Dieu d'addition et de multiplication. Lorsque dans des couples où il y avait des unions, que l'union, l'unité revienne. Dans des maisons où il y avait des pauvretés, que la prospérité entre maintenant. Tel que je parle, lorsque la main de amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le commandant était troublé parce qu'il avait touché un Romain. Un Romain qui avait plus de nationalité que lui. Vous savez, le diable, il a réussi une puissance seulement pour un temps pour troubler le monde. Mais nous le Saint-Esprit, nous l'avons dès notre nouvelle naissance. Et personne ne nous prendra ça. C'est ça qui va nous permettre d'aller au ciel. Bien aimé, ta famille a été malmenée longtemps par la misère, par la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes venus ravir le fouet entre les mains de tes ennemis. Le fouet change de main. Il quitte la main de tes ennemis. Il tombe entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tel que je parle, que le fouet de Jésus entre dans le camp de tes ennemis, qu'ils soient tous écrabouillés pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Mais pourquoi le fouettard commence à fuir Paul? C'est parce qu'il avait découvert la vraie identité de Paul. Ne vous mettez jamais à vous chamailler avec les gens en disant que moi j'ai Dieu, lui n'a pas Dieu. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de ce que Dieu pense de nous. Même le Seigneur Jésus-Christ, notre maître, était contesté par les hommes. Mais un jour la parole sortit sur la montagne et dit, celui-ci est mon fils. Écoutez-le. À ce moment-là, les attaques cessèrent dans la vie de Paul. Parce qu'il avait la nationalité romaine. Ma sœur, mon frère, je suis venu aujourd'hui te donner la nationalité céleste. Aujourd'hui, je suis venu te donner la nationalité céleste. Osala moto alikolo ya Lola.
Mais Jésus-Christ, Jésus-Christ, il était 100% Dieu, 100% homme. À ce moment-là, c'est ainsi que vous avez vu même les femmes malades les toucher. Mais le Jésus ressuscité refusa qu'on puisse les toucher. Oh. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ceux qui ont cru au Seigneur ont déjà détruit la chair. Alléluia. Amen. Et leurs œuvres. Quand tu mets en pratique la parole de Dieu, tu n'es plus cet homme-là. Tu es devenu comme le ressuscité du troisième jour. À ce moment-là, personne ne pourra vous toucher. Parce que tel que je parle, aucune maladie ne vous touche. Aucune malchance ne vous touche, aucun bocal ne vous touche, aucune arme ne vous touche. La Bible dit que toute arme forgée contre vous sera sans effet. Amen. Le Seigneur ne dit pas qu'on ne va pas forger l'arme. On va forger l'arme. Mais l'arme sera sans effet. On t'avait brandi l'arme de stérilité. Je te donne la maternité. On t'avait brandi l'arme de célibat. Je te retourne le mariage. On t'avait brandi l'arme de la pauvreté. Je te retourne la prospérité. Mais que tel que je suis en train de parler dans cette église, qu'il y ait des grands et des grands ici. Batominene Bazala. Amen. Que le futur président de la République sorte de cette église. Amen. Pas en 2023. Vous avez une convocation, moi. Donc, en 2028. J'aurai une convocation, mais c'est pour 2028. En 2028. Oui. Il ne faut pas venir embrouiller les gens ici. Moi, je serai comme ça. Bandebo, vous avez mis 100 millions d'habitants. Vous savez, si nous avons pendant que nous sommes 100 millions d'habitants, Dieu choisit une personne et le place, c'est que Dieu l'aime. Alléluia. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas. Tu es en train de te faire souffrir inutilement. Et puis je vous dis que le Congo avance très bien. Si tu ne l'acceptes pas, demande la mort que tu veux. Acclamons très fort pour le roi. Tu vois les gens que Dieu choisit là. Ils ont le temps de prier comme nous. Ils n'ont pas le temps de prier comme nous, 48 heures. Jésus a dit à Pierre que on t'avait attaqué, j'ai déjà prié pour toi. Jésus avait dit à Pierre, Babundi, ça qui a la bonne de la Kipona. Alléluia. Amen. Parce que dans ce monde, tu seras candidat, papa. Dans 2028. Dans 2023. Ce n'est pas seulement ici. Donald Trump a des problèmes sérieux aux États-Unis. Donald Trump a des problèmes sérieux aux États-Unis. Mais aujourd'hui, je suis venu rallumer vos étoiles. Je suis venu rallumer vos étoiles. Les pierres qui sans étoiles n'étaient respectées par personne. Mais le jour où il est reçu la nationalité céleste, la Bible dit que des choses comme des lames de feu se disposèrent sur leur tête. Quand le diable voit ceci, là, il va te libérer. Est-ce que tel que je parle, que la maladie te libère, que la pauvreté te libère, que la malchance te libère, que les blocages te libèrent. Depuis que tu es né, tu n'as jamais eu 2 millions de dollars. Aujourd'hui, je vous les donne au nom de Jésus. Amen, amen. Je le répète. Aujourd'hui, j'ai fait de vous des millionnaires en Christ. Amen. Nous avons un Dieu. Dès qu'il découvre ton identité, il change directement ta situation. Ah, vous ne comprenez pas bien, mes amis. J'ai dit ceci. Nous avons un Dieu. Lorsqu'il découvre ton identité, il change également ta situation. Comme tu es devenu enfant de Dieu, lorsque ta situation change, tu étais pauvre, deviens riche au nom du Seigneur. La mort subite ta
t'attendais, je t'accorde la prolongation de plus de 50 ans. Tu vas encore vivre. Toi, tu verras les autoroutes dans la ville de Kinshasa. Le Seigneur va te garder. Qu'on le veuille ou pas, tes enfants seront membres du gouvernement. Tes enfants seront comptés parmi les milliardaires du monde. Je suis maintenant venu créer les enfants du Dieu Tout-Puissant. Quand cette nationalité-là t'est apposée, tout le monde commence à te respecter. Moïse avait goûté les attributs de la nationalité céleste. Il monta sur la montagne. En descendant, son visage brillait. Avant que je ne termine, laisse que ton visage brille. Laisse que le visage de tes activités brille. Laisse que toutes ces semaines soient éclairées. Amen. Ça ne s'était pas arrêté là. Pierre n'avait pas étudié. Mais après la Pentecôte, les sacrificateurs disent, nous savons que c'est un homme issu du peuple, sans instruction. Mais il est évident qu'un miracle était effacé par ses mains. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, le miracle de Dieu va passer par toi. Amen, amen. Alléluia. Amen. Qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, le miracle de Dieu entre dans ta maison. Amen. Quelle que soit ta situation, préserve ton identité. Il y a un enfant qui s'appelait Mephibosheth. Mephibosheth était de la race royale. Et le monde l'avait envoyé dans les banlieues. Et pourtant, les enfants du roi devaient vivre à Jérusalem. Mais son identité parla un jour. L'identité de Mephibosheth a fait qu'il est passé de la pauvreté à la royauté. Amen, amen. Même si toi tu ne parles pas de ton identité, il y a des gens qui peuvent parler de ton identité. Lorsque tel que je parle, que Jésus-Christ, notre avocat, plaide ta cause aujourd'hui auprès du Père. On veut te tuer, on veut tuer tes enfants. Mais aujourd'hui, si tu es un avocat auprès de Dieu, tu seras acquitté au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il a déchiré l'acte, les ordonnances nous condamnaient. Tel que je suis en train de prêcher, je suis en train de déchirer l'acte sans les ordonnances de la mort, de blocage de l'ennemi. Alléluia. Amen. Répétons ensemble l'identité. L'identité. Répétons encore l'identité. L'identité. Tu sais, lorsque tu as l'identité française, oui, tango, Ozali, français. La police, Bapoulous, en charge de l'immigration, ne te contrôle pas. Bango bakota la ote, o bazana immigration. Quand tu entres sur le territoire français, tango, kotina mabele, ya France, je voulais te dire que le ciel et la terre appartiennent à l'Éternel des armées. Yango, à partir d'aujourd'hui, aucun esprit de contrôle. Amen. Je dis ceci dans le Bible. À partir d'aujourd'hui, aucun esprit de contrôle. Répétons encore l'identité. Tu parles de la identité. Bien aimé. Balingami. On avait pris Daniel. Bazwaka Daniel. On avait pris Daniel. Bazwaka Daniel. On l'est mis dans la fosse au lion. Répétons encore l'identité. Identité. Alléluia. Amen, amen. Car le lion. Tango Nkosi. On vit. Bankosi Bamoni. Daniel. Daniel. Ils ont dit. Daniel, c'est le serviteur de notre créateur. Au lieu de bouffer Daniel, ils ont assuré la sécurité de Daniel. Amen. Avant que Dieu ne te garde, parce que le diable assure ta sécurité. Amen, amen. Non, si vous me suivez, on va dormir ici. Si
Nous avons un deuxième service très puissant. Vous allez voir la démonstration de la puissance. Je préfère m'arrêter là. Je crois que j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'avais à dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Amen. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse ses chantres, techniciens, protocoles, sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent dans les médias. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Epaïnaïe, Kokota, Nakatia Lopango.